Est-ce que vous partez en voyage toutes les deux? Quelle chance! On espère. On a décroché ce job d'été pour financer notre album. Est-ce que ce sera aussi amusant que les autres activités que vous avez déjà faites? Ne me dites pas, cavalière de licorne, testeuse de lit, goûteuse de glace? Monitrice au camping des étoiles! Oh, génial! Tu vas nous manquer, Barbie. Mais vous ne nous manquerez pas du tout. Parce que vous venez avec nous en tant que campeuse. Oh, c'est génial! Jolie. Oh, on croyait que tu serais contente, Chelsea. Eh bien, je n'arrive pas à me réjouir parce que je suis un peu déçue. J'espérais être une monitrice comme vous. En route, les filles! Pas une minute à perdre! En avant toutes vers le camping des étoiles! Où l'aventure nous attend! Bienvenue les campeuses, je suis Barbie, votre directrice des activités. Vous me verrez diriger le concours de talent et organiser toutes vos espiègleries. Et je suis Barbie, monitrice de musique. Do, ré, mi, fa, sol. Préparez-vous à chanter avec moi tous les soirs autour d'un feu de camp. Je suis Rochelle, je dirige les activités artistiques. Poterie, bien-être, bricolage, réflexion. Malheureusement, il n'y a pas de badge pour ça. Pas encore. Je suis Daisy. Vous pouvez penser que je suis une aventurière et vous avez raison. Je suis navigatrice et guide de randonnée. Wow. Ensuite, faites un accueil 4 étoiles à notre chef cuisinière. Le camping des étoiles mettra en lumière votre potentiel parce qu'ici, on est toutes des étoiles. Vous êtes les petites étoiles. Nous jouerons toute la journée dans la maison de rêve. Wow! Les plus âgés, vous êtes les grandes étoiles. Vous aurez à réaliser des activités plus complexes et gagnerez des badges. C'est l'heure du dîner! Asseyez-vous avec vos groupes d'étoiles et tissez des liens d'amitié. Parce qu'à la fin de la semaine, vous monterez toutes sur scène pour le... Concours de talent des étoiles! Alors, on doit se séparer? Tu te feras de nouvelles amies, Chelsea. À bonne soirée! Encore déçue, à cause du principe sans pitié de mon âge et de mes petites jambes. Si je gagnais une étoile à chaque fois que je veux être plus âgée ou être quelqu'un d'autre, j'aurais une galaxie. Je voudrais voyager et faire des choses de tous côtés. Écouter mon cœur quand il chante. Il y a tant à essayer, tant de choses à découvrir. Tout est à ma portée afin que je puisse m'épanouir. Ouais! Si je pouvais faire un vœu, je voudrais ne plus être un enfant, plus un enfant. J'aurais une galaxie pour vivre 100 000 vies, ouais. Partir à l'aventure, j'en rêve tous les jours, toutes les nuits. Partir pour explorer, oh ouais, des mondes singuliers. Voilà tout ce que je ferai. Je serai grande, grande. Voilà, Chelsea. Est-ce que tu étais en train de chanter toute seule? Non, c'était un hibou. Je t'en voudrais ça. Tu as manqué le premier feu de camp, mais regarde ce magnifique ciel étoilé. Waouh! C'est quoi cette constellation? La petite ours? Orion? Cassioclée? Très amusant. Je ne connais pas les constellations, mais allez, hop, c'est l'heure d'aller au lit. Vraiment? Se coucher maintenant? Il y a une clé magique dans le ciel! Vous avez dit qu'on devait libérer notre potentiel ici. Alors je vais faire un vœu. Tu dois faire très attention avec les vœux, Chelsea. Assure-toi de vouloir vraiment qu'ils se réalisent. Je souhaite échanger ma place avec Barbie! Non, je suis toujours moi.
Lève-toi! Tu as dû éteindre ton réveil. Ça ne te ressemble pas, Barbie. Mais c'est toi, Barbie. Hein? Et tu es aussi Barbie. Je suis la deuxième Barbie. Ça va, Chelsea? 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 Chelsea! Ton vœu est exaucé. Je suis toi et tu es moi. Tout ça est un peu tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux? Non, j'ai démêlé ta belle chevelure blonde. Ouh, trop jolie. Attention, tu vas refaire des nœuds. Ah, attends. Aujourd'hui, j'organise le feu de camp et je répète pour le concours de talent. Et je serai une enfant insouciante. On aura juste à inverser le souhait ce soir au lac. D'accord? Oh! Oups! Et est-ce qu'elle dansait? C'est très éloigné de notre danse habituelle. Tu as un atelier d'art, petite étoile. Et toi, au travail, monitrice Barbie. Et garde ce petit secret entre nous ou on risque de nous prendre pour deux sœurs complètement folles. Alors je pensais qu'on pourrait faire ça et ça et ça, sans oublier ça, et finir comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ton enthousiasme, Barbie. Mais tu sais qu'on a toute une chorégraphie déjà prête. Et il faut juste qu'on la répète. 5, 6, 7 et 8. Ah, me détendre. Et je vais peindre un tableau digne du Louvre. Si le Louvre expose des tableaux peints avec les doigts. Oh, bien sûr, c'est amusant. La dernière fois que j'ai peint avec les doigts, j'étais une enfant. Donc c'était hier en fait. Oh, il faut qu'on répète encore. Tu sais que ça ne se fait pas comme par magie du jour au lendemain. Tu serais surprise de voir ce que fait la magie du jour au lendemain. Monitrice Rochelle, j'ai terminé beaucoup de tableaux au doigt. Je pourrais peut-être essayer une nouvelle façon de faire. Oh, je suis désolée, Chelsea, mais les pinceaux et les toiles sont réservés pour les campeuses plus âgées qui maîtrisent un peu plus cette activité. Wouhou! La répétition est terminée! Je vais me réapproprier mon vrai moi! Oh oh, on dirait bien que la peinture au doigt libère vraiment la réflexion. Qui l'aurait cru? Je veux redevenir grande! Je veux redevenir petite! C'était vraiment génial de répéter cette chorégraphie, mais je ne me rendais pas compte à quel point ton entraînement était si intensif. Et moi, j'ai adoré exprimer mon art pendant l'atelier de peinture. Mais j'avais oublié à quel point c'est compliqué de sentir qu'on a autant de limites quand on est petit. Je souhaite être moi à nouveau. Oh non! Le ciel est nuageux! Alors on ne voit pas la clé dans le ciel. Est-ce que tu crois qu'on résistera un jour de plus à la place de l'autre? Ça dépend. Est-ce que tu crois que tu peux diriger une chanson de feu de camp devant toutes les campeuses pendant 50 minutes? Ah hein? Si tu peux être une enfant et t'amuser pendant que je le fais. Oh! Barbie au campus, dans la peau de ma sœur. Hey, bonjour, tu veux des pancakes? Pour commencer le deuxième jour où mon corps a été échangé avec celui de ma plus jeune sœur parce que tu as fait un vœu à une clé magique dans le ciel. Amusant. Cette semaine pourrait être surnommée la fusée parce qu'elle passe aussi vite qu'une flèche. En parlant de fusée, je vois qu'il y a beaucoup d'étoiles prêtes à libérer leur potentiel ce matin. Petites étoiles, vous allez avoir une surprise. Grandes étoiles, vous allez faire de la pâtisserie avec Barbie et moi. Oui, et je suis une excellente pâtissière. Je ne sais pas du tout faire de la pâtisserie. C'est toi l'experte. Tout ce que je fais, c'est manger les pâtisseries que tu prépares, Barbie. Pas de panique, Chelsea. Je pourrais m'éclipser de l'activité des petites étoiles et venir à la rescousse. Excellente idée. Ce sera un jeu d'enfant pour toi. Surprise! Matinée nautique! Aujourd'hui, nous allons faire des cupcakes. Mais je ne suis pas l'experte en pâtisserie dans ce duo. Barbie, on t'écoute. Vas-y, quelle est la recette? Eh bien, pour faire des cupcakes, d'abord, il nous faut des ustensiles et des gâteaux. Très bonne blague. Allez, arrête, Barbie, parle-nous plutôt du glaçage. Oh,
Je peux faire beaucoup mieux avec le glaçage. Malibu, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Chelsea, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je veux aller voir Barbie. Oh, sans raison. Enfin, si, il y a une raison. Je ne l'ai pas encore trouvée. Oh, si, je sais, elle me manque. C'est adorable, Chelsea, mais pour l'instant, tu dois plutôt rester avec nous. Bataille de cupcakes! Regardez tous les poissons que nous pouvons voir quand le lac est paisible. On voit une carpe et un poisson-chat et une Chelsea. Oh non! Chelsea! Malibu, attends! Chelsea, attends! Oh, les sœurs Roberts, vous vous comportez de manière totalement imprévisible aujourd'hui. Et ça ne vous ressemble pas du tout. Est-ce que je peux savoir ce qu'il vous arrive? Avec cette explication, je comprends mieux maintenant. J'aurais aimé que vous me disiez plus tôt que vous aviez changé de corps. Mais on pensait que tu ne nous croirais pas. C'est le monde des poupées. Il y a un toboggan partant du deuxième étage jusqu'à la piscine. Alors j'aurais pu croire ça aussi. Je suis tellement heureuse de te l'avoir dit. Et je suis soulagée que tu saches ce qui se passe maintenant. Moi aussi. Et je suis aussi contente que Rochelle ait pu faire un moment de bien-être à la dernière minute le temps qu'on règle ça. Calme, Rochelle. Zen, Rochelle. Tu n'es qu'une vague sur le lac. Un rayon de soleil dans le ciel. Un vermicelle de couleur sur un cupcake. Des cupcakes? Oui, on a interrompu l'atelier de cupcakes. Oh, calme, Rochelle. Zen, Rochelle. Je sais maintenant que j'étais tellement angoissée et incapable de t'aider que j'ai provoqué un incroyable chaos. J'aurais quand même pu essayer de te soutenir en cours de pâtisserie. Et waouh, j'essayais tellement de venir t'aider que j'ai exagéré, sincèrement. J'aurais pu rendre notre situation plus facile en participant à l'activité canoë. Parfois, la chose la plus utile que l'on peut faire, c'est de faire la différence là où on se trouve. Suivez-moi! Allez! Exquise, je me lève et je me sens hyper bien. Surprise, quelle belle chose vais-je faire ce matin? Je veux m'amuser, on veut profiter de chaque instant, les savourer, on ne veut pas se dépêcher. Et donc confiance en toi et n'aie pas peur du futur, car il t'ouvre les bras. Sois toi, vois la beauté qui est en toi. Sois toi, et tout sera simple, tu verras. Sois toi, ici et maintenant. Tu vois sûrement la beauté qui est en... La beauté qui est en... Qui est en... Qui est en... Qui est en toi, à... Qui est en... Qui est en... Qui est en toi, à toi. Vois la beauté qui est en toi. Tout est simple, tu vois. Tout est simple, tu vois. Sois toi. Est-ce que vous étiez en train de chanter toute seule? Non, c'était un hibou. Entre vos draps, ça. Skipper, Stacy, préparez-vous. Vos sœurs ont quelque chose à vous annoncer. Alors, c'est terminé, les secrets? Nous allons traverser ça tout ensemble, où que vous soyez. On commence cet après-midi. Je dois préparer le concours de talent des étoiles. Malibu, es-tu prête à soutenir Daisy dans l'activité classe nature? Et Chelsea, est-ce que tu es prête pour un après-midi d'activité manuelle? On n'essayera plus de s'échapper! Camping des étoiles! J'ai réussi. J'ai aidé Daisy en classe nature. Je n'y connaissais rien du tout, mais j'ai patiemment écouté Daisy et j'ai pu lui apporter ce qu'il lui fallait. Ma patience est mon deuxième prénom après ces activités manuelles. Je voulais faire toutes les décorations du concours de talent moi-même, mais au lieu de ça, je me suis concentrée sur l'activité et j'ai adoré regarder les petites étoiles exprimer toute leur créativité artistique cet après-midi. Tu
Tu sais, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup appris en étant toi, Barbie. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup appris en étant toi, Chelsea. J'aimerais presque qu'il n'y ait pas de clé magique dans le ciel ce soir. Eh bien, un vœu sur un vœu... exaucé! Un jour de plus à la place de l'autre! Oh! Ce qui veut dire que je vais devoir diriger un autre feu de camp. Et c'est maintenant! On est en retard! La dernière arrivée est un cupcake imaginaire! Je vous présente la reine du feu de camp, Barbie! Toujours pas de clé magique dans le ciel? Ne t'en fais pas, Brooklyn, je m'en occupe. Hé, les petites étoiles! Votre attention! Camping des étoiles. Est-ce que vous avez déjà souhaité faire la différence, mais en ayant l'impression que vous deviez être ailleurs ou bien être quelqu'un d'autre pour y arriver? C'est une impression ou c'est un feu de camp très intense? Ce n'est pas une impression et je crois que ce n'est que le début. J'ai terminé de faire les cupcakes. Oui! Hey Malibu! Enfin, Chelsea, je veux dire... Comment dois-je appeler ma meilleure amie vu que son corps a été échangé avec celui de sa petite sœur? Tu peux m'appeler Très Grande Fatigue, Brooklyn. La journée a été longue. On est au déjeuner. On n'est qu'au déjeuner! Pour commencer, j'ai eu atelier d'art. Waouh, les céramiques de tout le monde sont vraiment uniques. J'ai vraiment hâte de voir comment est ma licorne. Chelsea, il faut que je te dise quelque chose. Ta licorne en argile a explosé dans le four. Quoi? C'est impossible! Je lui avais déjà donné un nom, Bjorn la licorne. Eh bien, Bjorn ne montrera jamais sa corne. Mais je m'étais tellement appliquée. Malheureusement, c'est le risque avec la céramique, Chelsea. Même si je fais de gros efforts, c'est injuste. Je n'ai pas le résultat attendu. Alors voilà, je me dis que les résultats inattendus montrent qu'il est très important de profiter des étapes du processus. Oh, ça ressemble à ce que Daisy m'a dit ce matin en préparant le concours de talent des étoiles. Alors, on va faire une liste de musique. Succès, les tubes, les lives, les mélodies pour relancer la fête à certains moments, mais aussi des rythmes pour faire vibrer la foule. Mais aussi, il faut équilibrer l'ordre entre les musiques entraînantes et les plus douces. Mais aussi, laisser la fête respirer. Mais aussi, tu as noté tout ça, Barbie? Daisy dit que je fais de mon mieux, que c'est un processus d'apprentissage, mais je sens que je ne suis pas à la hauteur. Le concours de talent, c'est beaucoup de pression, surtout pour une fillette de 7 ans. Oui! Oui! Oh! Je vis la même chose. Ce matin, les petites étoiles ont répété notre numéro, les étoiles acrobates. Qui a demandé à des enfants de cet âge de faire de la gymnastique? Je crois que ça venait de toi, Malibu. Oui, c'est vrai, j'avoue. Les petites étoiles, il faut absolument qu'on soit synchronisés. Oh, wow. Wow. Tout va bien. Vous avez toutes les deux eu une matinée difficile. Moi aussi. Après la répétition, j'étais sur le point de revoir le programme de l'après-midi quand soudain... Mes fiches de programme! Oh, petit lapin, ce n'est pas très gentil, même si tu as une frimousse adorable. Quand tu parlais de résultats inattendus, comment va-t-on organiser les activités sans mes plans? Pas de plan. Peut-être qu'on devrait profiter des étapes du processus! Et si on improvisait cet après-midi avec des jeux? Sous le soleil! Pour tout le monde! On a une idée! Petites et grandes étoiles, c'est notre avant-dernier jour au camping! Vous avez travaillé tellement dur pour libérer votre potentiel toute la semaine que je pense qu'il est temps de faire une pause et d'être spontané! Préparez-vous pour les Jeux du camping des étoiles! Mes amis et moi, nous partons en mi-
mission, on fera ce qu'il faudra. Pour suivre notre vision, les coulées des confitures, c'est ça l'aventure, nous ferons toujours de notre mieux, mais en plus audacieux. Parfois on manque la cible, mais ça nous fait rire. Trop de sirop dans les granités, on ne se laisse pas démonter. Faire des cascades sur un quad et lancer tes ballons à haut. Tu feras ce que tu voudras, selon ton choix. Tout ne doit pas être parfait. Ça c'est C'est mieux de rester soi-même. Oh ouais! Tes doutes chasse-les d'un coup de balai. Ça c'est vrai! Apprends et fais ce qui te plaît. Profite de l'instant, amuse-toi! Je ne savais même pas que j'aimais faire du canoë. Tu étais douée? Pas du tout. Je suis arrivée dernière à la course de canoë. Mais peu importe de gagner, le tout c'est de profiter des étapes du processus. Je suis d'accord avec toi. Je me suis bien amusée au jeu d'adresse, même si je n'étais pas la meilleure. Je tirais à côté. Oh ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Moi aussi, je tire à côté. Allez, venez toutes ! Bataille de bombo ! Les filles. Génial. Oui. Super. Waouh, quelle journée d'été extraordinaire. Qu'y a-t-il de plus spécial en été qu'un s'more? Quand on y réfléchit, il n'y a rien de meilleur qu'un s'more. Mais la moitié du plaisir vient des étapes du processus. Et le résultat est chaque fois différent. Certains les aiment quand les guimauves sont bien grillées, d'autres quand le biscuit reste croquant. Chaque s'more est unique, tout comme vous. Et... comme les étoiles. Regardez toutes ces étoiles. Elles sont toutes uniques. Elles ne s'inquiètent pas que tout soit parfait. Elles existent seulement. J'espère que vous vous sentez comme ça. Spéciale comme un s'more, brillante comme une étoile. Parfaite transition avant la dernière surprise campeuse. Prenez vos sacs de couchage pour une... nuit à la belle étoile! Quelle super journée d'été on a passé. Et on a failli ne pas l'apprécier parce qu'on était plus concentrés sur le résultat final que sur le processus. Barbie, je viens de réaliser que tout ce temps passé dans le corps de l'autre fait juste partie des étapes du processus. Chelsea, oui. Et quand on reprendra chacune notre corps, je suis sûre qu'on aura l'impression que tout sera revenu comme avant. Mais en fait, on aura appris beaucoup de choses. Le camping des étoiles est vraiment le lieu pour libérer notre potentiel. Et depuis qu'on a échangé nos places, la clé magique qu'on attend n'est jamais revenue. Alors peut-être que notre potentiel ne s'est pas encore assez libéré. Le processus n'est pas terminé. Ce qui signifie... Un jour de plus dans la peau de l'autre. J'espère que la clé magique reviendra demain, ce sera le dernier jour au camping. Gardons cette inquiétude pour demain. Ce soir, il est temps de penser à... plus de sport. Oh, Chelsea. Gourmande. Et le dernier mouvement, c'est la, la, la. La, la, oh. Je n'arriverai jamais à faire cette chorégraphie au concours de talent ce soir. J'aimerais être aussi talentueuse que toi, Barbie. Chelsea, tu es déjà brillante avec tes propres talents. Je te le promets. Tu as appris toutes ces danses en une semaine, alors que ton corps a été échangé avec celui de ta grande sœur. Donne-toi encore une chance. Oups, on doit aller réveiller les petites et les grandes étoiles. Nous avons une grande journée qui nous attend. Wouh! Faisons en sorte qu'elle soit extra. On se voit ce soir pour le... concours de talent des étoiles! En tant que directrice des activités, j'ai travaillé sur l'organisation toute la semaine et vous avez répété admirablement toute la semaine. Alors, sans vous faire attendre plus longtemps, le spectacle comique de... Rochelle et Daisy!
Merci. Rochelle, tu es très douée en art. Est-ce que tu peux jouer la comédie? Pour un donut, je peux même te jouer un drame. Et toi, en tant que monitrice de navigation? Je navigue sur la vague du rire. Je n'y arrive pas. Et si j'oublie les paroles, ou le tempo, ou comment respirer, tout simplement? Ne t'inquiète pas, Chelsea, tu réussiras. J'aimerais que tu puisses chanter à ma place, Barbie. Tu es plus que capable de donner le change au micro. Attends, c'est ça, donner le change. On pourrait inverser nos micros, Barbie. Eh bien, ça pourrait fonctionner, mais... Skipper s'occupe du son, elle pourrait nous aider. Merci. C'était une semaine de folie. N'oubliez pas de naviguer sur la vague du rire. Quels sont drôles. Maintenant, les grandes étoiles. On a trouvé la solution. Écoute. On va donner le change au micro. Waouh, impressionnant. Mais Chelsea, je t'assure que tu n'as pas besoin de faire ça. Maintenant, j'ai juste à me concentrer sur la danse. J'aimerais une astuce pour que Barbie puisse danser à ma place aussi. Hein? J'ai trouvé. Je sais qu'ici, au Camping des Étoiles, on dit souvent que les choses sont magiques. Mais là, elles l'étaient réellement. Et maintenant, faites un triomphe à la troupe des petites étoiles acrobates. J'ai eu une idée géniale. Skipper s'occupe des micros et Stacy éteindra les lumières. Tout ce que le public verra pendant notre spectacle, ce sera deux danseuses lumineuses. Barbie peut mettre ses accessoires et prendre ma place. Je sais pas. Je trouve que c'est beaucoup de complications alors que tu connais la chorégraphie, Chelsea. On est très heureuse de t'aider, mais on t'a vu répéter, tu sais, et tu étais douée. Oh, limitons les dégâts. Mais Chelsea, tu n'as pas besoin de te cacher derrière quelqu'un d'autre. C'était très impressionnant, les petites étoiles. Nous allons maintenant faire un bref entracte avant de passer au numéro final. Oh non, le spectacle doit continuer. Tu en es sûre, Chelsea? Tout à fait, Barbie. Et Chelsea est sûre que c'est ce qu'elle veut? C'est ce qu'elle a dit. Je lui ai pourtant dit qu'elle était douée à la répétition. Camping des étoiles! Nous sommes Barbie et Barbie! Allez! Je coupe le micro de Chelsea et je branche celui de Barbie. Ça y est. J'éteins les lumières. Oh. Non. Attends, quoi? Ne vous inquiétez pas, le courant a été coupé, mais regardez quelle lumière nous avons! Celle des étoiles! Il nous fallait la lumière des étoiles dans notre spectacle final, n'ai-je pas raison? Sinon, ce serait comme aller au camping de la crème glacée sans avoir de banana split! En parlant de ça, qu'est-ce que j'ai mis? Tu ressembles à une banane éclairée! Je savais que tu trouverais, parce qu'on se comprend entre bananes! Chelsea, tu as sauvé le spectacle! Il faut que tu continues, Chelsea! Chelsea, reviens! Tu peux y arriver! Mais je n'ai pas autant de talent que toi! Tu étais incroyable sur scène! Tu brillais comme une étoile! Tu improvisais, tu faisais rire le public! Ça s'appelle le talent! Il te semble différent, mais si j'étais toi, ce qui se passe un peu maintenant, je serais très fière, fière de nous deux. C'est vrai? Merci, Barbie. Je crois que cette semaine, nous avons appris qu'être quelqu'un d'autre n'est pas mieux, c'est juste différent. Il faut vraiment qu'on soit fière de qui on est. Ne jamais souhaiter être quelqu'un d'autre. La clé magique que j'espérais, elle est revenue! On a enfin résolu ce mystère! Je souhaite être moi-même à nouveau. Oh, ça a fonctionné! Je suis Barbie et tu es Chelsea! Waouh! Vous m'aviez manqué, mes petites jambes! Oh non! Et le spectacle final est Brooklyn! Très
Très bien. Alors, cette fois, devinez ce que je vois avec mes yeux. C'est quelque chose de bleu. Est-ce que c'est le lac? Encore? Je ne trouve plus d'autre chose à observer. Désolée pour le retard. Cette fois, nous sommes prêtes. Malibu, c'est vraiment toi, n'est-ce pas? Oui! C'est notre dernière soirée au camping, le bon moment pour partager avec vous une chanson spéciale. Elle concerne une leçon que j'ai apprise à maintes reprises cette semaine. C'est que vous devez tout être fiers de qui vous êtes. Absolument! Encore une fois, nous sommes Barbie, et on vous présente Chelsea! Si elle veut bien rester sur scène. On flamboie comme des étoiles. On se connaît pas trop mal. Quand la nuit pose son voile, on brille, brille, brille. On scintille dans la lumière, sur la scène ou en plein air. Comme des rayons laser, on brille, brille, brille. Alors tu vois, quoi que ce soit, on y arrivera. Toi et moi, on est des superstars. On va briller. Mm-hmm.